si c'est pas cela ce matin. La vie de quelqu'un changera. Tu es comme un grain qu'on peut s'aimer sous la terre. Oh, mais je te dis, même si les gens ne comprennent pas le mystère qui se cache dans ta vie, mais toi-même tu comprends. Tu comprendras. Et dans peu de temps, ceux-là qui ne te connaissent pas, qui ne te comprennent pas, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront souffrés. Oh, je ne sais pas ce qui se passe dans cette salle ce matin. Il y a une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale ce matin. Il y a une grâce spéciale ce matin. Dieu de gloire. Et dans ce salle, il y a une grâce spéciale. Sur la terre et dans ce sang, je ne suis pas responsable, mais je suis suivi par la grâce de Dieu, par cette grâce qui est de sa vie au milieu de nous ce matin. Il y a une autre dimension. Je vous dis, l'année 2016, c'est l'année de différence. Ça va créer la différence dans ce temps que nous vivons, dans cette époque que nous vivons. Cette année marquera la différence. Je vois un trophée, la puissance des flots, et des amis sur l'église. Il y a un trophée de puissance. Il y a des gens qui sont venus sur la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont venus sur la gloire de Dieu. Pour témoigner que Jésus est vivant et que Jésus qui est venu pour mourir sur la croix. C'est la puissance de Dieu. L'église est en train de connaître une vague de puissance. Sur les Français, la puissance qui
a résisté à ta vie entre les morts. Une liberté volée, la puissance. Il a résisté notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance de vie dans tes volées. Receive! 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 L'avenir de quelqu'un est en train de se dessiner sur ma tête. Je ne peux pas arrêter cette grâce. Je ne peux pas arrêter cette gloire. C'est l'avenir de quelqu'un qui se dessine sur ma tête. L'avenir de quelqu'un qui se dessine sur ma tête. L'avenir de quelqu'un qui se dessine sur ma tête. C'est l'avenir de quelqu'un qui se dessine sur ma tête. C'est tout l'avenir qui se dessine ce matin. Ce matin, le terrain est en train de purifier son église. Il est en train de purifier son église. La Bible dit qu'il la rendra sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. C'est l'onction qui fait cela. Car c'est le Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Jésus, très saint du jour, il s'est mis à rire et dit au Père du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands et aux petits. Aux intellectuels, et tu les as révélés aux enfants. C'est ça qui ressuscite les morts. C'est cette puissance qui fait marcher les paralytiques. C'est cette puissance qui chasse les sida, qui chasse les cancers, qui chasse les démons. C'est cette puissance. Oh, jeune frère, c'est cette puissance. Oui, Seigneur. Cette puissance qui amène. Oui, Seigneur. À l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est cette puissance qui m'a fait découvrir. C'est cette puissance que je ne connaissais pas autrefois. Donc j'ai marché dans le chemin, j'ai marché comme je voulais, mais le jour où je le rencontrais, je le vis, cet homme de Galilée. Oh, je le vis de mes propres yeux. Je ne veux pas voir son visage, mais il m'a fait montrer son corps. Il était plus grand que le ciel, mais il était né à la mer, et je marchais avec lui. Il m'a montré là où j'étais dans la captivité, et il regarde là où j'étais pris. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jésus-Christ, il est vivant. C'est une folie pour les bons. Mais ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à se poser la question. Quelle est la machine qui leur permet de respirer? Et pendant la nuit, alors qu'ils dorment dans leur sommeil profond, quelle est la machine qui leur fait que le matin, ils puissent se réveiller de leur sommeil? Et quand il n'y aura plus de souffle de vie dans leur corps, qui est capable de leur redonner le souffle? Ils n'ont qu'à se poser la question. Il n'y a que des bêtes qui ne comprennent rien. Mais un être humain, un homme qui a le langage, qui a la parole,
peut quand même se poser des questions. Jésus est le seul Dieu. Amen. Je vous l'affirme. Amen. Je vous confie. Amen. Jésus-Christ, le Dieu que je prêche, il est le seul Dieu. Alléluia. 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 Et c'est lui-là que Jacob a combattu. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Ne le lâche jamais. Jusqu'à ce que tu voies sa grandeur. Ne le lâche jamais. Jusqu'à ce que tu voies sa puissance. Jusqu'à ce que tu vois sa puissance se manifester dans tes enfants. Protégez-moi. Ne le lâche jamais. Ne le lâche jamais. Ne le lâche jamais. Ne le lâche jamais. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Pour que ton nom soit rendu grand, ne le lâche jamais. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est un autre temps. Ça, c'est un autre temps. Je vous dis, 2016, c'est une année qui n'a jamais existé. Amen. Et après 2016, il n'y aura pas une année comme cette année. Amen. 2016, tu ne profites pas de chercher la bénédiction auprès de celui qui donne la bénédiction. Alors tu vas donner la bénédiction. C'est l'année de s'accrocher à l'éternel. Cette année, nous allons nous accrocher jusqu'à ce qu'il rende notre nom grand. Jusqu'à ce qu'il rende notre nom grand. Jusqu'à ce qu'il fasse de toi. Mais qu'il a fait à chaque fois, il me remet. Yeah! Aujourd'hui, éternellement, accroche-toi, attache-toi, il rendra ton nom grand. Alléluia, alléluia. Oh, je ne te lâcherai pas. Même si tu me casses la hanche, je m'accroche à toi. Amen. Ce n'est pas
ce qui se passe de nos jours. Il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ pour un intérêt. Et s'ils ne voient pas cet intérêt, ils tournent tout de suite le dos à Dieu. Ils vont tester ailleurs. Vous ne verrez jamais Dieu comme ça. On ne vient pas auprès de Jésus-Christ par un intérêt quelconque. Non, il est le Créateur des cieux sur la terre. Cette nuit-là, Jacob ne demandait rien à cet ange. Il ne demandait que la bénédiction. Ah, et que le nom nous parle de Moïse, qui a reçu l'ordre de l'Éternel de bénir le peuple d'Israël. Parce que lui-même, il avait béni leur père. Oui, ce matin, j'ai aussi reçu l'ordre. Quelqu'un plonge ses pieds dans l'huile. Maintenant, la parole que je parle. Quelqu'un a plongé ses pieds dans l'huile. Il y a l'huile qui m'a monté. Elle m'a touché dans le train. Je ne vais même pas au nom que tu mettras au nom. Si la malédiction du Dieu, c'est que la malédiction partira. Tout ce qui ne marche pas dans ma vie. Je demande la grâce de Dieu pour toi. La grâce de toi. Que la maladie te guide.
Voici ton temps, voici ton tour, est arrivé. 2007 sera pour toi une année différente. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.